Depuis ce trou béant dans son existence, il erre sans but. C'est l'une de ces journées vides de sens que, perdu dans ses réflexions sur le sens de sa vie, il décide de s'inventer un ami imaginaire. Ainsi naît Milo, l'ami fidèle, taciturne, sage et clairvoyant. Et tandis que l'un cherche à reprendre le fil de sa destinée, l'autre découvre la vie, la sienne. C'est avec humour et mélancolie qu'À l'ombre de minuit aborde la solitude humaine et plus encore celle des cœurs des temps contemporains, mêlant les tristes réalités de nos temps à certains mysticismes poussés par le besoin de réponses existentielles de la vie. Samy Ivan Mourad nous entraîne dans une promenade solitaire et imaginaire qui, d'une façon ou d'une autre, symbolise un peu les aspirations des êtres humains de nos jours et peut-être de toujours. Samy Ivan Mourad est italien et né au Caire. À l'ombre de minuit est sa première œuvre. Vous pouvez d'ores et déjà trouver sur Publibook un autre de ses romans, La demeure des neiges.